Mes sentiments sont d'abord à apprécier le chef de PA qui a accepté quand même ses engagements. Et ces engagements qui viennent d'être une réalité. Et pour moi, c'est un soulagement parce que je viens de voir que l'habitat des gorilles vient d'être libéré. Donc j'espère que avec cette forêt ici, ça va réellement nous prendre longtemps pour que ça repousse. Mais ça me donne quand même l'espoir de donner encore une chance à la vie de nos gorilles qui sont en voie d'extinction. Pour moi, le Penkabé était réellement le premier parc qui avait habitué les gorilles à la présence humaine. Ça a été un regret de voir comment est-ce que les PA se sont mis à commencer à couper, déraciner, fabriquer la braise à l'intérieur du parc, là où vivent les gorilles. C'est vraiment inhumé de ma part de voir toutes ces actions qui ont été faites à l'intérieur de ce parc. Aujourd'hui, nous venons quand même d'assister à un déguerpissement qui n'est pas forcé, mais un déguerpissement qui se fait par volonté, par leur volonté. Et j'espère qu'ils vont, que cet engagement va rester durable. Pour ceux-là qui sont toujours dans les parcs, je leur ai dit de pouvoir suivre suivre les démarches qu'a été fait le chef de paix Antavuna, qui puisse sensibiliser les leurs pour qu'ils puissent quitter par volonté. Et si nous le faisons par force, j'espère qu'il y aura des pertes, mais que nous ne souhaitons pas. Mais nous souhaitons qu'il y ait quand même une sortie volontaire en provenance de leur chef. L'objectif était de détruire les maisonnettes qui se retrouvent dans le parc. Comme vous le voyez derrière nous, il est coupé, il y a eu carbonisation. Donc le PA vient de se désengager. Donc à partir d'aujourd'hui, il vient de nous dire qu'aucun PA ne se retrouvera pas dans le parc. C'est-à-dire que nous osons croire que l'habitat des gorilles va repousser encore et nous espérons que les gorilles vont vivre longtemps.